Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce que déjà, j'ai atteint les 400 abonnés assez rapidement là ces derniers temps et je suis très très contente en fait de votre reconnaissance, de ce que vous m'apportez aussi. Vous dites souvent que je vous aide, vous dites que je vous apporte quelque chose et franchement, moi quand je fais ces vidéos, j'ai pas cette impression que je vais aider forcément des gens. Mais plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait, ça me fait plaisir de voir que des personnes se reconnaissent en moi et qu'ils soient rassurés aussi par la même occasion. Je suis trop trop contente par rapport à ça. Et ça me permet d'exercer quelque chose que j'aime bien, donc faire des vidéos et me détendre aussi par la même occasion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre quelques-uns de vos commentaires et de réagir. Alors il faut savoir que moi, j'ai tendance à vraiment répondre aux commentaires. Mais il y a certains commentaires en fait qui sont tellement intéressants. Moi, je me sens un peu mal parfois juste que d'y répondre avec quelques phrases et puis basta, alors que dans ma tête, j'ai vraiment une réflexion et que j'ai envie de la partager. Donc voilà, je vais lire vos commentaires dans cette vidéo. J'ai remarqué que ma vidéo sur la phobie du travail peu à peu prend de l'ampleur et je suis très contente de ça parce que c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que voilà, on existe, on est des personnes qui sommes tout à fait normales en fait, mais parfois on est trop peu pris au sérieux du fait d'être phobique du monde du travail. C'est une vidéo que j'ai faite il y a à peu près un an. Quand j'ai fait cette vidéo, je me disais que voilà, j'avais besoin de parler de ça parce que je voyais pas trop de personnes parler de ça, voire même pas du tout. Et là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaissent. En même temps, ça me rassure parce que je me sens moins seule, mais en même temps, ça me fait de la peine parce que je me rends compte qu'avec ça, très peu de personnes comprennent ça parce que quand on ne l'est pas, quand on n'est pas ergophobe, donc quand on n'a pas peur du monde du travail, eh ben on a tendance à prendre ça trop à la légère. Enfin bon, du coup j'ai reçu ce commentaire-là qui est super mignon. Coucou, je suis tombée sur tes vidéos lorsque je me renseignais sur l'anxiété et la phobie du travail et je me suis reconnue dans tout ce que tu disais. Merci beaucoup d'en avoir parlé, ça me rassure un petit peu de voir que je ne suis pas la seule. Alors voilà, c'est ce que je disais. C'est un commentaire qui me fait chaud au cœur et c'est pas la première fois que je reçois ça. En fait, dans ma tête, je réalise pas que ça puisse faire du bien aux gens de voir que quelqu'un s'exprime par rapport à ça. C'est vrai que plus le temps passe et plus je me rends compte que ça aide. Alors là, je suis tombée sur un commentaire qui est super bien construit, super long et en même temps qui me touche parce que je me suis vraiment bien reconnue là-dedans. Hello, donc bonjour à toi. Je suis tombée un peu par hasard sur tes vidéos et elles sont intéressantes et je me suis reconnue en toi, dans ta façon de réfléchir, etc. J'ai longuement souffert d'une timidité maladive. J'étais même ce que l'on appelle un muet sélectif et je pense que cela est dû en grande partie au comportement de mon père. Il buvait beaucoup d'alcool et non seulement il buvait de l'alcool, mais il était toxique, psychologiquement parlant. Mon père avait tendance à être inflexible et à manquer d'empathie. Il était dans le contrôle, pour ne pas dire la soumission. Il recherchait et recherche toujours à être le centre de l'attention et son arme de prédilection, c'était les critiques, le chantage affectif, le blâme. Il rabaissait régulièrement. Franchement, c'est super courageux de ta part de te confier à moi. Parfois, les parents, même s'ils ne veulent pas être toxiques envers nous, parfois ils le sont. Pas forcément volontairement, mais de par eux-mêmes leur vécu, de par leur façon de voir les choses, de par leur éducation. Enfin, il y a tout plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui peuvent malheureusement apporter des troubles à leur enfant à leur tour. Dis-toi que ce n'est pas propre à toi. Je pense que ça reflète un manque de confiance, de discernement, de beaucoup de choses de la part de ton père. À ce jour, je le vois toujours, mais nos rapports sont froids, mais cordiaux. Je te doute que son comportement n'a pas été d'une grande aide afin de construire une bonne estime et une bonne confiance en soi. À tout cela s'ajoute le décès de ma mère, qui elle était saine. Alors là, franchement, je te comprends. Et franchement, j'empathie pour toi, mais franchement, très très fort. Et d'une grande gentillesse, elle est morte brutalement il y a quelques années. J'avais 28 ans à ce moment-là. J'en ai 31 ans actuellement. Je suis depuis peu une thérapie. J'espère que cela me sera bénéfique et pour l'instant, je ne prends aucun traitement type anxiolytique ou antidépresseur. Au niveau professionnel, je vis
de petits jobs précaires. J'étais tombée en 2020 sur un job stable, mais manque de chance, je suis partie au bout d'un mois car j'étais tombée sur un binôme avec lequel je ne m'entendais pas. Il était dans la critique, etc. Enfin, je te passe les détails. Depuis, j'ai repris les petits remplacements ici et là. Moralement, je vis de haut et de bas, plus de bas que de haut ces derniers temps, mais je tiens le coup. Je pense également faire partie de la team des hypersensibles. Je pèse aussi mes mots quand j'échange avec des gens. Je n'aime pas vexer, blesser les gens. On me dit souvent gentil, sans doute trop gentil. Je ressens aussi les énergies des gens. Et sans surprise, je souffre aussi d'anxiété, d'angoisse, une angoisse tapie dans l'ombre, tu vois. Oui, je vois. Je vois très bien, t'inquiète pas. Un truc tout bête, mais dernièrement, j'étais tombée sur des gens pas cool, sur un forum qui avait des propos toxiques à mon égard. Ah oui, les forums, désolé, mais c'est pas la meilleure solution en fait. Quand vous allez rechercher du réconfort auprès de forums, en général, vous avez que des gens qui sont là juste pour vous descendre et pour faire les moralisateurs et pour être là pour. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui ont la science infuse en général et ils se moquent de tout. C'est ridicule, je sais, ça ne sert à rien, mais les propos m'ont blessée. Alors, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule de vouloir rechercher du confort. Et non, c'est pas ridicule de réagir mal à des mauvais propos à ton égard, sachant que tu souffres pas mal et qu'on n'est pas dans ta tête et qu'on n'est pas dans ta vie. Ça ne sert à rien, mais les propos m'ont blessée et les gens ne semblaient pas le prendre en compte cette blessure. Puis j'ai nettoyé l'ensemble de mes réseaux sociaux, j'ai supprimé pas mal de comptes sur pas mal de plateformes. J'ai ressenti le besoin de me protéger. Mais je pense que je ne me protège pas de la bonne manière car je sens que pour me protéger, je me suis en partie coupée de mes émotions. C'est compliqué parce que, en fait, je te comprends déjà, tout ce que tu as vécu, vraiment déjà chapeau, tu es très courageux. Franchement, ça me touche parce que de se renfermer face à des critiques, c'est un petit peu normal à mon sens. Mais dis-toi que ces personnes-là, en fait, elles ne savent pas ton histoire, elles ne te connaissent pas, elles ne sont pas du tout bien placées pour te dire ce que tu as à faire dans ta vie, ou je sais pas ce qu'elles t'ont dit en fait dans ce forum, mais apparemment ça avait l'air de te faire du mal. Et c'est pas le fait d'être hypersensible qui fait que c'est ridicule de mal prendre des choses. En fait, tu les prends comme tu les prends, c'est ta personnalité. Si tu les prends comme tu les as pris, c'est que tu devais les prendre comme ça. Et il faut t'écouter, il faut écouter ton corps, il faut écouter tes émotions. Si tu l'as pris mal, en fait, c'est qu'il y a une raison pour toi. Et justement, bah, c'est toxique. Et quand c'est toxique, eh bah, il faut vraiment se mettre à l'écart de toutes ces personnes qui sont là, en fait, juste pour gober ton énergie. C'est vraiment pas facile, mais j'ai pas de doute que tu as envie de t'en sortir et que tu vas t'en sortir, malgré ce que tu as vécu. Dans la vie, parfois on souffre, mais après, ça nous projette et ça fait en sorte que plus tard, on se sente beaucoup mieux dans notre peau, que petit à petit, on arrive à se mettre à l'écart de ce que les gens peuvent penser de nous. Je ne sais pas si c'est toujours le cas pour toi, mais je le vis un peu comme un fardeau, le fait d'être hypersensible. Mais en même temps, je me dis que je suis contente d'être comme ça, car c'est peut-être ce qui m'a empêchée d'être comme mon père par mimétisme. Tu as vraiment quelque chose en toi qui est très très profond, qui est très très sain. Je suis sûre qu'avec le temps, tu arriveras à l'appréhender. Après, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais en le vivant actuellement, tu m'as demandé si pour moi c'était un fardeau ou pas. En fait, ça l'est de moins en moins. On va dire plus les jours passent et ça l'est de moins en moins parce que je sais que je suis comme ça et que c'est la vie et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses bien à être hypersensible quand on l'exploite de la bonne façon. Par exemple, en général, on a des instincts de ouf, on a des sixièmes sens de ouf. Je ne sais pas si vous y croyez. Je suis sensible à tout ce qu'il y a autour de moi. Après, bien sûr, il faut savoir mettre des barrières à certaines choses en fait et pas se laisser absorber par les énergies négatives qu'il y a autour de soi. C'est vraiment une richesse et en fait oui, il y a des jours où ça va être compliqué pour moi parce que je me dis ouais, si j'étais comme une personne qui n'était pas hypersensible, bah, ce serait peut-être plus facile pour moi, mais finalement je le vois de plus en plus comme une richesse. Et c'est vrai qu'au début de ma chaîne, c'est pas trop mon cas et encore ça dépend des jours. Il y a des moments où je vais me dire ah, oh, je suis trop sensible, je suis trop si. Mais après, je me pose la question et je me dis, mais en fait, t'es comme t'es, Myriam. Et
t'es comme ça, c'est beau d'être comme ça, d'être pur. On est des gens qui ne veulent pas le mal, qui ne souhaitent pas le mal en général. Et même si on nous a fait du mal, on est quand même assez empathique et on a tendance à pardonner. Et parfois on se dit, ouais, mais pardonner, mais pourquoi on est trop gentil, trop bon, trop con, etc. Mais en fait, la sagesse est très importante, surtout actuellement dans ce monde où on vit actuellement, c'est très très important d'être comme on est. Mais grâce à la thérapie, je sens que la colère vis-à-vis de mon père, etc., s'apaise. Et oui, avec la thérapie, on apprend à se réconcilier déjà avec soi-même et avec les autres. Parce que le fait d'avoir des parents qui sont toxiques avec nous, ben, ça implique qu'on se voit d'une manière assez péjorative, assez négative. Et je trouve que les thérapeutes, c'est pour ça que je le dis assez souvent, quand on trouve un bon thérapeute, en général, il nous aide à aller de l'avant. En tout cas, je suis contente d'être tombée sur l'une de tes vidéos. C'est super que tu aies réussi à te lancer sur YouTube malgré l'anxiété et le reste. Je ne te connais pas, mais j'espère sincèrement que ça ira de mieux en mieux pour toi à l'avenir. Salut! Salut. En tout cas, je compatis à plus d'un titre quant à ce que tu as dit vis-à-vis de ton père, etc. J'espère que malgré tout, tu parviens à avancer. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Bah, en fait, voilà, moi c'est des hauts et des bas en tant qu'hypersensible, en tant qu'hyper émotive. Il y a des hauts et des bas, mais en ce moment, on va dire que je suis dans une période où je prends de plus en plus confiance en moi et je pense que ça va être le cas pour toi aussi. Après, là, je pensais lire plus de commentaires, mais vu que celui-là était bien construit, était assez long, ça me fait une grosse vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai lu que deux commentaires en fait quand je me rends compte. J'en lirai un petit peu plus, peut-être que je ferai d'autres parties. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!